Bonjour à tous sur Casman.fr et surtout voilà sur ma chaîne YouTube. Alors là, je teste WinFX 10. C'est du Linux. Ça a l'ergonomie d'un Windows, mais c'est du Linux. Et franchement, c'est vraiment pas mal. Il n'est pas installé, mais il fonctionne parfaitement. Pour l'instant, j'ai pas la langue, mais je crois qu'il y a des options qui nous permettent d'avoir la langue. Là, il fonctionne via une clé. Voilà, c'est marqué dessus. J'ai plusieurs distributions Linux dessus, donc j'ai booté dessus et franchement ça fonctionne plutôt pas mal. On navigue parfaitement dans les menus, ça ressemble à du Windows avec les paramétrages. Je vais bien ouvrir un petit explorateur pour voir ce que ça donne. Voilà, ouais, c'est quand même pas mal, hein. Franchement, rien à dire. Sur mon disque, là sur l'autre, ok. Alors, device, ouais, il doit pas être monté. Ah, si, il est là, voilà, mais c'est pas le vrai. Voilà, c'est bien mon Windows FX. C'est franchement très intéressant pour celui qui a peur de passer du monde Windows. C'est-à-dire de l'environnement Windows vers un environnement Linux. Là, franchement, c'est une bonne alternative. Déjà, vous utilisez mon système avec la clé USB sans installation avec Ventoy. Je mets toutes mes distributions. Et franchement, si je vois que c'est intéressant, sur une vieille machine et un SSD, il suffit d'installer cette distribution Linux et on se retrouve sous une imitation de Windows, mais qui fonctionne pas trop mal. Allez, je mets un pouce pour cette version de Windows. Thank you.